Aujourd'hui, direction Paris. Nous partons au salon Vivatech qui réunit toujours plus d'innovations. Pour sa troisième édition, l'événement a enregistré 100 000 entrées. C'est une hausse de fréquentation de 47% par rapport à l'an dernier. Ce rendez-vous mondial de l'innovation a attiré les PDG de Facebook, IBM, Microsoft, Uber. 8000 entreprises au total étaient présentes et pas loin de 2000 investisseurs ont fait le déplacement. Des professionnels venus du monde entier, la région Nouvelle-Aquitaine a, elle, accompagné pas moins de 70 startups. C'est presque deux fois plus que l'an dernier. Objectif pour les entrepreneurs, se faire connaître, trouver des clients, trouver des investisseurs, découvrir les dispositifs d'accompagnement ou encore échanger entre professionnels sur les pratiques. L'intérêt pour nous d'être à Vivatech, c'est de pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer en fait les responsables de communication. Donc pour nous, Salon Vivatech, c'est quand même très intéressant parce que c'est le salon de nouvelles technologies. On avait déjà participé au Customer Show en 2017, mais on s'était dit un événement dans le numérique en France, c'est incontournable. Aujourd'hui, nous cherchons à lever des ponts, à rencontrer des investisseurs à Viva Technology pour lever 1 million d'euros afin de pouvoir monter à Limoges une usine d'assemblage pour produire en fait les robots en série. Sur le salon, les critères qui ont prévalu à la sélection des entreprises tenaient compte de la diversité de ces entreprises. On rencontre ici des entreprises qui s'occupent de l'eau dans le domaine de l'industrie. On rencontre ici des entreprises qui s'occupent de bien-être pour les personnes âgées. On rencontre ici des entreprises, des start-up qui s'occupent de rendre la vie moins difficile pour les dyslexiques, par exemple. Voilà. Sur l'ensemble du salon, nous avons des entreprises plus spécialisées qui sont hébergées par Thales, qui sont hébergées par Manpower, par exemple. Juin 2009, les employés de l'usine de fabrication de cuisine CESA apprennent la fermeture de leur entreprise. Neuf ans plus tard, le site désaffecté de CESA s'apprête à devenir Sésame, un tiers-lieu. Un tiers-lieu désigne soit un espace de travail, soit un espace de loisir, soit les deux à la fois, mais l'idée, c'est le partage, le travail collectif. Derrière cette ancienne porte de service, des élus, des agents de mairie, des membres d'associations, des musiciens, des agriculteurs, des compagnons bâtisseurs vont refaire vivre le lieu tous ensemble. Pour ne pas en faire un fourre-tout et que chacun s'y retrouve, sont organisés des ateliers d'intelligence collective. Ateliers proposés par un collectif parisien, WeShare, spécialisé dans la réalisation de tiers-lieux dans les méthodes d'économie collaborative. Volontairement, on ne veut pas définir très précisément ce à quoi ça va ressembler, puisque précisément ce sont ces ateliers de travail, cette occupation d'abord temporaire, puis on l'espère permanente par une, puis plusieurs personnes, plusieurs associations, plusieurs groupes d'habitants à Marmande qui va définir les contours du lieu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre de personnes ici, que ce soit des élus, des techniciens ou des habitants, d'aller construire une colonne vertébrale autour des industries créatives. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Ça n'est pas une question à prendre à la légère. À Bordeaux viennent de se tenir les JPRS, les journées pratiques respiration-sommeil. Nous y avons trouvé les meilleures innovations du moment pour redormir comme un bébé.
Vos paupières sont lourdes. Découvrons Hypnose, le premier masque d'auto-hypnose. On a mis au point une solution qui permet de découvrir, d'utiliser et d'emporter l'hypnose partout avec vous, en tout cas au plus grand monde. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un masque, donc un masque d'hypnose, connecté à une application mobile dans laquelle on va retrouver un pléthore de thématiques, des thématiques qui vont permettre par exemple de travailler sur son sommeil, donc de mieux dormir, de se relaxer, travailler sur sa concentration, sa motivation, et donc justement d'appréhender l'état d'hypnose en auto-hypnose, donc en toute autonomie. Dans un premier temps, vous allez entendre le récit hypnotique, donc une personne qui vous parle, une voix comme une séance, avec une ambiance, le tout spatialisé pour vraiment favoriser l'immersion. Et le masque, lui, va se synchroniser avec des lumières. Donc si par exemple, dans le récit, à un moment donné, vous ouvrez une porte, les lumières, elles, simulent l'ouverture de la porte pour vous aider à imaginer et à rentrer dans votre expérience.